Coucou à tous, j'espère que vous allez bien en ce, on va dire, premier jour de vacances scolaires pour tous ceux de la zone A. Et oui, donc je souhaite à tous les enfants, petits-enfants de mes abonnés de très bonnes vacances de Pâques, en espérant que vous ayez le beau temps. Et d'après la météo, les températures vont un petit peu augmenter avant de redescendre un tout petit peu. Ça changera des températures un peu hivernales qu'on a eues ces derniers temps. Donc, on va arrêter un peu le blablabla. Et aujourd'hui, cette petite vidéo... Alors, en même temps, je suis en train de remettre un truc. Non, pas miaou. Cette petite vidéo, bah, pour vous montrer, bah, en fait, mon armoire poupée que j'ai faite. Et que ça a été galère, quand même. Parce qu'en carton, bah, j'ai un souci de fermeture avec les portes. Donc, on va dire quand même qu'elle est finie. Par contre, le rangement à l'intérieur est provisoire. Et voilà. Donc, sans plus attendre, alors je vais juste faire une petite manipulation sur mon téléphone. J'espère y arriver. Et si j'y arrive pas, bah, de toute façon, je vous reprendrai. À tout de suite. Bon, c'est pas grave, ça marche pas. Je vais vous amener avec moi sans faire de bêtises. Et hop, allez, viens là, toi. Hop. Aïe. Voilà, alors, voici, alors je vais mettre un peu, voilà, je vais mettre dans le sens là, voilà, comme ça vous voyez, donc voici l'armoire que j'ai faite en carton, donc comme c'est du carton, bah si je fais ça, les portes ne se ferment pas, donc il va falloir que je trouve un système pour pouvoir fermer mon armoire. Hop, je vous avance. Donc, hop, je lâche les portes. Donc, l'intérieur, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Alors, j'espère que vous voyez, parce que comme je ne peux pas tourner mon téléphone, donc le rangement est provisoire pour l'instant. Hein. Mais, alors attendez, je vais vous tourner comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a la tringle, j'ai déjà disposé un cintre. Bon, pour l'instant, c'est que comme ça, sauf l'étagère. Du bas, là, c'est tout ce qui est les petits chaussons pour mes poupées. Et sinon, bah, pour l'instant, ce sont les body. Alors, est-ce que vous voyez? Je regarde en même temps. Voilà, hop. Donc, c'est des body pour l'instant. Parce qu'en fait, je n'ai pas de cintre pour vêtements bébé. Donc, voilà. Donc, j'ai mis du papier cadeau. Donc, sur le... tout autour de l'armoire. Y compris là, en dessous. J'en ai mis sur les portes. Voilà. Ou je peux vous montrer comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez. Et sinon, c'est sur l'étagère. Ici, c'est du papier collant. J'ai rajouté une petite dentelle. Trop mimi. Et tout le reste, que ce soit sur les côtés, le fond et le bas de l'armoire, c'est... du papier, en fait, des blocs de chez Action. Et donc, c'est collé et j'ai rajouté du gros scotch transparent pour que ça tienne bien. Voilà. Donc, j'espère que vous voyez bien. Hein, parce que là, moi, je vois pas grand-chose que je suis en train de vous filmer. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Voilà. Et bah, sur les portes, bah, voilà, j'ai essayé de mettre une petite... fantasy, et je vais essayer de voir ce que je peux faire avec ces petites fantaisies pour que voilà, il faudrait que l'armoire elle reste fermée comme ceci, mais comme c'est du carton, bah voilà, donc il faut que je trouve un moyen, mais je vais trouver. Voilà, hop, je vous replace. Bon bah, je mets pause et je vous reprends. Hop. Donc voilà, bah, ma petite armoire. Voilà, vous pouvez la voir là, juste là, au bout de mon doigt. Donc, ça a été un peu galère hein, et je ne suis pas très, très fortiche niveau bricolage. Donc, pour avoir passé bah, 3 jours dessus quand même, voilà, je pense que je suis plutôt bien débrouillée pour un premier petit meuble.
Après, je dis pas que je vais en faire tous les jours parce que franchement, rien que pour mesurer le fond, après, faut mesurer le fond, bah, la hauteur, la largeur et tout ça. Donc, et je suis pas capable, pardon, de couper droit. Donc, ça a été un peu, un petit peu galère. Alors, sans plus attendre, Hope m'a rejoint. Donc voilà, elle avait très envie de vous parler. Comme c'est une vraie pipelette, vous allez pouvoir l'entendre. Alors, je l'installe comme il faut sur mes gambettes et je vous reprends. Enfin, elle vous reprend. J'espère que vous allez bien aussi. Alors, oui, je suis encore habillée pareil que la dernière fois, mais ça, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous causer. Pourquoi? Bon, parce que maman, la dernière fois, elle a dit que des bêtises. Alors, déjà, il y a un petit souci. Bon, elle est sur la chaîne de sa marraine. Mais maman, avec son PC, elle a un problème. Le PC... Attends, je vais mettre comme ça pour qu'on te voie. Oui, c'est bien. Alors, le PC à maman, il veut pas garder la chaîne de sa marraine sauvegardée. Alors, du coup, maman, ben, elle peut jamais y aller. Mais ça, c'est bizarre. Ça, c'est le PC, il est fatigué, hein, je pense. Hein. Il est temps que tu le changes, maman. Non, ça coûte cher. Bah oui, mais pourquoi ça va pas? Je sais pas. Enfin, bon, ça c'est une chose. Elle va essayer de régler cette histoire, sinon on passera au plan B. Mais B, pas comme ça, hein, parce que là, c'est pas un plan B, là. Voilà. Alors après, vous vous souvenez? Ah, il y a le chat qui est passé devant la caméra. Bouge ta queue, Minou. Voilà. Alors, bon, alors, maman. Oui, ça arrive. Alors, la dernière fois, maman, elle vous a dit, quand elle vous a présenté Erin, ma petite sœur, que c'était la dernière. Et moi, comme beaucoup, qu'est-ce qu'on a dit? Ouais, c'est ça, maman. Hein. Tu nous dis ça à chaque fois et à chaque fois, on se retrouve encore avec des bébés. Ou d'autres sœurs. Enfin, bref. Enfin, là, maman, eh ben, moi, j'avais dit, ouais, c'est ça. Et finalement, ben, maman, elle a... Bah, elle a craqué. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? On la tient plus. Voilà. Comme si que des bébés, quelques bébés, ça lui suffisait pas. Eh ben non. Il a fallu qu'elle me adopte une sœur. Bah là, c'est une grande sœur comme moi. Hein. Alors, la dernière fois, c'était Erin, donc c'était un petit bébé. Mais aujourd'hui, je vais pas vous présenter Erin, je vais vous présenter mon autre grande sœur hein, qui est arrivée. Il y a, je sais plus. Hein. Le mois dernier, je crois. Ouais, ça doit être ça. Je sais plus. Il y avait encore des promos. Et puis, maman, elle a encore adopté une petite fille. Voilà. Et encore, si vous saviez. Bon, j'en aurais des choses à vous dire. Hein, parce que, mais de toute façon, je sais que maman l'a vendu la mèche. Alors, il n'y a plus de surprise pour personne. Bon, Harmonie, tu viens. Allez, viens te présenter aux abonnés. Allez. Ouais, elle est un petit peu timide, hein, mais normal, hein, elle n'est pas comme moi. Hein. Moi, j'arrête pas de parler. Hein. Allez, alors, maman, elle me décale sur l'autre jambe. Voilà. Puis en même temps, il y a le chacha, là, il est là. Il regarde maman parce qu'elle joue avec moi. Non, mais je vous jure. Ah oui, puis je vous ai pas dit. Moi, mon chacha, là. Maman, montre le chacha. Oui. Voilà, le rouquin, là. Le rouquin que vous avez vu, eh ben, ça a été son anniversaire vendredi. Il a eu 18 ans, le chacha. Voilà. Alors, bon, il est très vieux, hein, mais il fait toujours des bêtises. Mais bon, ça, c'est pas grave. Bon, Harmonie, tu viens? Oui, j'arrive. Ah, vous avez entendu la cause. Allez, viens. Alors, attends, ça faut que je te mette là, et on va prendre Harmonie. Là, voilà. Attends, c'est ma grande sœur. Voilà. Je vous présente Harmonie, ma nouvelle sœur avec ses beaux cheveux. Oh, on dirait une princesse, c'est pas moi. Je vous jure, des fois on dirait que je viens de la rue et elle vient. T'as un conte de fées. Dis bonjour. Bonjour.
Bonjour. Bon, c'est tout. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Bonjour les abonnés à maman. Hein? Bonjour les abonnés à ma maman. Je m'appelle Harmonie. Et je suis arrivée il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a quelques semaines. Et je suis arrivée. Je suis la dernière. Ouais, attends, t'es la dernière pour l'instant, mais à mon avis, maman. De toute façon, maman, elle l'a dit. Alors, il n'y a plus de secret. Hein? Elle a dit quoi, maman? J'ai pas entendu. Mais si, rappelle-toi, sur une de ses vidéos, là, elle l'avait dit, elle a adopté un petit garçon. Un petit garçon? Moi, je savais pas, j'ai pas entendu. Moi, si, elle a dit. Après, elle a fait, ah, oups, j'ai vendu la mèche. Mais bon, c'est maman, hein. Tu verras. Tu la connaîtras mieux, tu sauras. Mais ce coup-ci, peut-être que maman, c'est son dernier bébé. Ouais. C'est ce qu'elle a dit après Erin. Et puis du fait, il y a eu toi. Et puis il va y avoir un autre petit garçon. Alors tu vois, ça fait deux de plus. Hein. Oui, mais là, maman, elle a dit stop, parce qu'il n'y a plus de place. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus de place, mais elle arrive quand même à nous caser. Non, j'ai dit que c'était le dernier et c'est un petit bébé. Oui, un beau petit bébé, un beau petit garçon. Oui, c'est un beau petit garçon. Ouais, j'espère que celui-là, il sera calme. Oui, celui-là, il sera calme, il a les yeux fermés. Mais il n'arrive pas maintenant, c'est très très long. Il est en transit, il voyage. Oh, le pauvre, il va être très fatigué, puis il doit pleurer. Peut-être. Ouais, comme nous tous, hein, on a tous voyagé. Là. Maman, faut dormir. J'ai dormi, mais bon. Je suis réveillée de bonne heure, puis j'ai pas arrêté. Oui, ça c'est ton affaire, c'est pas la nôtre. Alors, ouais, comme je disais, nous on vient tous du même endroit, du même pays. Ah non, sauf Erin. Erin, elle vient de plus près. Mais c'est pas grave, elle a été fabriquée dans le même pays que nous. Sauf que nous, on vient de ce pays là-bas. Voilà. Ah non, et puis Millie aussi. Millie, elle est arrivée du même endroit que Erin. Mais ça a été plus vite pour qu'elle arrive. Donc maman, elle l'a eu de plus près. Voilà. Nous, on nous a pris de loin. Voilà. On a fait un grand voyage. Très, très long voyage. Bon, oui. Mais par contre, Molly, vous l'avez connue en mois de décembre, elle dit rien. Elle est sage, elle fait sa petite princesse aussi, comme Harmonie. Non, pas comme moi. Moi, je parle un petit peu, mais pas Molly. Molly, elle fait encore plus princesse que moi avec ses cheveux qui roulent dans le bas. Moi, les miens, ils roulent pas. Regarde, ils sont frisés, les miens. Oui, mais t'as des beaux cheveux. Moi, oui, mais les tiens aussi sont beaux. Moi, j'aime bien tes cheveux. Moi, t'es gentille, ma soeur. On fait des câlins. Bon, enfin. Voilà. Alors, hop, tu vas tomber. Et moi aussi. Maman. Voilà. Donc, voilà. Je voulais vous présenter ma soeur Harmonie. Voilà, vous voyez, elle est toute jolie. Puis elle est toute gentille, ma soeur. Donc, voilà. Hein? Moi, je parle comme si je venais de la rue. Alors qu'Harmonie, elle parle tout doucement. Hein. C'est une princesse, hein. Mais t'as fini, oui. Oh, non, c'est pas possible, hein. Décidément, tu veux pas arrêter. Toi aussi, tu pourrais parler comme une princesse. Bon, une princesse un peu plus moderne, mais une princesse quand même. Oui. Après tout, qui a dit qu'il fallait que les princesses, elles parlent correctement, hein? Il y a peut-être des princesses qui ont été élevées dans la rue. Quand je dis dans la rue, pas dans la rue, mais voilà, qu'on a parlé tranquille. Voilà, qu'on parle, qu'on dise ce qu'on pense, quoi. Enfin, voilà. Bon, tu arrêtes tes bêtises un petit peu. Bon, allez, faut bien rigoler. Ouais, bon, allez. Moi, je vais retrouver mon lit. Au revoir. Bon, tu me laisses? Bon, oui, tu t'es bêtise. Moi, non. Mais je suis pas loin. Regarde, je me mets assise là, avec mon lit. Ah, d'accord. Bon, je vais venir vous rejoindre. Bon, voilà.
sur ce, moi, je vais vous laisser là. Ah, maman, elle va vous reprendre un petit peu. Et puis, pour vous expliquer, et puis, des trucs. Et puis, ben, voilà. Hein. Je pense que, ben, voilà. Ah, j'ai plus grand-chose à dire. Je vais aller voir mes sœurs. Et puis, bah, on va essayer de dire à Molly qu'elle parle un petit peu pour qu'elle vienne vous faire des petits coucous quand même. Allez, moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Et puis un grand bonjour à toutes mes copines parce qu'il y en a beaucoup. Alors il y a Léa, Charlie. Non, c'est plus Charlotte. Non, c'est plus Charlotte. Charlotte, elle a déménagé. Elle a été chez Sissi. Elle est venue à la maison. Elle est repartie chez Sissi. Pourquoi tu fais ça avec tes mains? Oh, je sais pas. J'avais envie. Et du coup, elle est partie chez Zabou. Et elle l'a rebaptisée. Je crois que c'est Yuna. Je crois. Oui, je crois que c'est Yuna. Je sais plus. Il me semble que c'est Yuna. Oui, bah si tu sais plus, ça va pas être contente sa maman. Hein. Mais bon, elle a un petit frère Thiago qui est arrivé il y a pas longtemps. Et puis bah il y a Lilou. Et puis il y a Malo qui est chez Béa. Comment qu'elle s'appelle la petite fille? Lina. Lina. Voilà. Sinon chez Hélène, et ben il y a Lily Rose. Qui n'a pas la langue dans sa poche non plus, elle est comme moi. Il y a Sarah, et ben je sais qu'elle va avoir un petit frère. Donc, voilà, il va avoir un petit gars à la maison. Et puis, qui c'est qu'il y a eu encore? Ah, il y a Callan. Et puis, il y a un petit frère aussi, il s'appelle Richard, il est arrivé. Et moi, je sais qu'il va y avoir une autre petite cousine. Mais voilà, je dis pas plus parce que Tonton Dylan il va la recevoir donc il fera une vidéo pour vous la présenter. Voilà, qui c'est que j'oublie aussi? Bah, je sais pas, attends. Béa, Hélène, ah si, il y a le petit Oscar. Ah oui, il y a le petit Oscar aussi qui est toujours en vacances avec ses frères, avec ses, non ses sœurs. Oui, il en a beaucoup aussi, lui. Hein. Bah, oui. Puis, c'est le seul garçon. Eh, vous avez remarqué quand même. Regardez, chez Zabou, il y a un garçon. Et puis, deux filles. Chez Béa, il y a un garçon, une fille. Chez Marraine, il y a un garçon. Et, ben, oui, pour l'instant, il y a un garçon. Et puis, il y a Lulu, Lolo, Léa. Ok, trois filles. Et, bah, je vous dirai pas le secret. Hein. Et chez Tonton Dylan, il y a un garçon et une fille pour l'instant. Mais moi, chut. Moi, d'accord, j'ai pas le droit de dire. Voilà. Et bah, chez nous, pour l'instant, il y a un garçon. Et bah, plein de filles. Et puis, il y aura deux garçons, mais toujours avec plein de filles. Voilà. Bon, allez, j'ai assez discuté, ça va faire 20 minutes de vidéo. J'ai plus parlé que maman. Allez, au revoir tout le monde. Bisous, bisous. Je vous redonne maman. Maman, je m'épose. Oui. Alors, on appuie là. Non, t'as pas réussi. Allez, me revoilou. Alors oui, oh, elle a beaucoup parlé. Elle a parlé de plein de choses. Donc, oui, c'est vrai, j'ai réadopté un petit gars. Mais j'ai dit, c'est vraiment le dernier de chez dernier. Là, je peux vous assurer que c'est le dernier petit gars. Ça, c'est sûr et certaine. Ma main droite a coupé si c'est pas vrai. Non, c'est la dernière. Enfin, c'est le dernier, pardon. Et oui, pour que je vous explique un peu pour la chaîne. Puisque comme vous le savez, je me suis associée à ma marraine Sissi. Pour la chaîne des bébés. Et je rencontre un gros souci. C'est que quand je retourne sur YouTube, sur ma chaîne YouTube en passant sur mon PC,
dans le changement de compte, sa chaîne, enfin notre chaîne ne s'affiche plus. Et à chaque fois que je veux faire changement de compte, ça redemande un code de validation. Donc c'est pénible parce que j'ai tout regardé, tout essayé pour sauvegarder la chaîne. Et il n'y a rien à faire, ça ne veut pas. Donc tout à l'heure, j'ai refait un essai. La chaîne est apparue après code de validation. Bon bah là, je suis plus sur YouTube. Et je verrai si ça réapparaît ou pas. Et si ça ne réapparaît pas, je sais pas de quoi ça vient, parce que ma marraine partage une chaîne avec mon petit frère, avec Dylan. Et ils y arrivent. Moi, je ça veut pas. Donc, je ne sais pas pourquoi. Donc, si quelqu'un peut m'aider à ce niveau-là, il y a peut-être des doués en informatique dans mes abonnés. Donc, si quelqu'un peut me dire ce que je dois faire pour que notre chaîne reste sur la mienne, que je puisse y aller quand je veux. Si vous avez des astuces, un moyen de me dire comment faire, enfin m'expliquer, parce que alors je suis zéro. Parce qu'on ne sait pas de quoi ça vient. Et j'ai regardé sur YouTube dans tous mes paramètres, tout est bon, donc je comprends pas pourquoi ça ne sauvegarde pas. Voilà, je peux pas vous dire. Si vraiment on n'y arrive toujours pas, je ferai un plan B, même si ça va beaucoup m'embêter, mais je préfère avoir un plan B sous le coude. Au cas où, j'espère ne pas en arriver là, parce que la chaîne, du coup, elle augmente du fait qu'on soit toutes les deux sur la même chaîne. Donc on est à 80 abonnés sur la chaîne des Poupons. Donc un grand, grand merci aux nouveaux abonnés. J'espère pouvoir résoudre ce souci. Et si ça ne fonctionne vraiment pas, ça ne fonctionne pas à rester sa chaîne. Je ne sais pas comment on fera. Je serais peut-être obligée d'ouvrir une chaîne Poupon pour que vous puissiez voir ou... Mais c'est bizarre, c'est que moi, ça ne veut pas. Ça ne veut pas rester affiché. Je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas. À mon avis, il y a un fantôme qui ne veut pas. Enfin bref, on va essayer de trouver un système. Bon, allez, je ne vous embête pas plus longtemps. On va essayer de résoudre ce problème-là. Et je vous redirai. Je vous redirai. Et si quelqu'un, dans les abonnés, peuvent m'aider à comprendre et résoudre ce petit mystère, écoutez, vos conseils sont les bienvenus. Parce que, comme je vous dis, je suis vraiment très, 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 très nulle en informatique. Tout ce qui est logiciel de montage et tout, dit que ça m'énerve, moi, je laisse tomber parce que ça va me prendre la tête. Et voilà. Allez, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Merci pour les nouveaux abonnés sur la chaîne bébé, merci pour les abonnés qui restent sur ma chaîne principale. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une vidéo peut-être change, je sais pas, c'est encore un peu le fouillouse dans mon bureau et j'ai encore pas mal de trucs rangement à faire et compagnie. Allez, sur ce, je vous embête pas plus longtemps et je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous, bye bye.